Elle a fait preuve de la même mobilité que beaucoup de nos candidats d'aujourd'hui, puisqu'elle a fréquenté l'université de Clermont-Ferrand, où elle a fait un master pour travailler ensuite dans des ONG. Elle a participé à des concours de plaidoirie, des procès simulés, et durant son service civique à Dakar, elle a été frappée par le contraste entre les jeunes lycéens et les petits talibés. Ce sont les petits mendiants qui sont abandonnés dans des écoles coraniques à Dakar. Son récit est vraiment Charles Dickens au Sénégal, écoutons-la. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, un talibé est mort sous les coups de son marabout. Cette phrase sibylline apparaît dans la plupart des rapports d'ONG ou articles de la presse sénégalaise, sans que cela ne suscite beaucoup d'émotion. Ces termes impersonnels résument l'inexistence des enfants mendiants et l'impunité de leurs bourreaux. Les talibés au Sénégal, ce n'est pas une affaire de nom et de prénom. C'est un système accepté par tout un pays. Je vais donc mettre un prénom sur l'un d'entre eux. Sékou. Dans le centre-ville de Dakar, un immense 4x4 blanc s'arrête à une station-service. Une femme, à la peau blanche, en sort. Un bambin d'à peine 1m20, à la peau noire, famélique, vêtu de haillons, s'approche d'elle. Implorant, les yeux exorbités, il lui tend un seau en plastique. La femme le repousse mécaniquement sans même lui adresser la parole. Le petit rebrousse chemin, déçu. Cet enfant, c'est Sékou. Il a 6 ans. Comme 50 000 petits garçons au Sénégal, il mendie pour survivre. Car tous les soirs, s'il ne rapporte pas la somme d'argent que son marabout exige, il est fouetté. Cette femme, c'est moi. C'est une professeure du lycée américain, c'est une fonctionnaire de la diplomatie française, c'est l'employée d'une ONG de sauvegarde des droits de l'homme. Cette femme pourrait être un homme, elle pourrait être noire. Au Sénégal, tous sont égaux face aux talibés. Tous les connaissent, tous les plaignent, mais tous les ignorent. Le mot talibé est le pluriel du mot talib ou taleb, qui en arabe signifie disciple, serviteur ou étudiant. Au Sénégal, il représente une tradition extrêmement vieille qui eut, autrefois, le mérite d'instruire beaucoup de jeunes garçons. Désormais dévoyé, ce système ne permet qu'à des parents pauvres comme ceux de Sékou de se décharger de l'un de leurs enfants au profit de maîtres coraniques, les marabouts. Quand il avait 5 ans, Sékou a quitté son village accompagné par son père pour Dakar. Pensant rendre visite à de la famille, Sékou a vu son père l'amener vers une maison délabrée de la capitale. Puis son père est reparti, le laissant seul. Il ne l'a jamais revu. Sékou passe désormais les restes de son enfance, entassés avec une cinquantaine d'autres enfants, dans un cloaque où des trous ont été grossièrement percés dans les murs afin de faire entrer l'air et la lumière. C'est une dara, une école coranique. Officiellement, on y apprend à lire le Coran. Chaque matin, Sékou et ses camarades récitent les versets appris du marabout. Puis l'après-midi, ils s'en rendent au centre-ville de Dakar et mendient. Les règles de la Dahara sont claires. Tout enfant ne récitant pas correctement les versets est puni de plusieurs coups de fouet en caoutchouc. Tout enfant ne rapportant pas 1 000 francs CFA par jour, soit 1,50 € est puni du même châtiment. Tout enfant qui tente de s'enfuir est fouetté puis enchaîné au mur. Quand, au Sénégal, un petit Français expatrié se rend à l'école heureux de retrouver ses camarades, il croise Sékou, Yaya ou Cher, qui eux se demandent comment fuir leur école. «
châtiments corporels, privation de nourriture, absence de soins médicaux, viol, enchaînement et emprisonnement, voilà ce qui les y attend. Tous les marabouts ne se rendent pas coupables de ces actes, mais ceux qui le font profitent de la tolérance que leur offre leur pays. Personne ne vient jamais les inquiéter. Pourtant, cette situation n'est pas tolérable. Elle est intolérable parce qu'elle a lieu au Sénégal, pays qui, ayant signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, s'est engagé à prendre toutes les mesures pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. En 2005, une loi a criminalisé la mendicité forcée. En juin 2016, le président Macky Sall annonçait le plan « Retrait des enfants de la rue ». Depuis la mise en œuvre de ce plan, le constat est amer. La quasi-totalité des enfants retirés de la rue ont été rendus à leur marabout et certaines Dahara ont même reçu des fournitures et des financements de la part du gouvernement. Elle est intolérable car elle prend ses racines dans le tissu social du Sénégal et est couverte par tout un pays. La population, par pauvreté ou complaisance aux traditions, si elle ne participe pas activement à cette exploitation, l'accepte. Les petites mains des talibés permettent aux marabouts très influents d'accumuler plusieurs milliers d'euros par mois. L'exploitation de ces enfants rapporterait au total près de 8 millions d'euros par an. En 2015, un imam de Dakar affirmait même que la mendicité des talibés apportait des revenus à 30% de la population sénégalaise. Elle est intolérable parce que la répression désormais prévue par la loi n'est pas mise en œuvre. Au cours du premier semestre 2017, alors que 50 000 talibés peuplent les rues sénégalaises, le nombre de marabouts condamnés pour sévices physiques ou sexuels se compte sur les doigts d'une seule main. Elle est intolérable parce qu'il y a peu d'autres pays où la mendicité de ses propres enfants soit aussi organisée, généralisée et légitimée par une population. Alors oui, j'entends bien que dénoncer l'exploitation des talibés du Sénégal revient à stigmatiser un pays, lequel tente chaque jour de lutter contre sa pauvreté et sa corruption. Si ce type d'abus aux populations les plus fragiles germe le plus souvent de la pauvreté, il n'est pas l'apanage de l'Afrique de l'Ouest. Le sort de ces enfants est-il si différent de celui de petits Américains adoptés puis vendus en toute légalité, parfois à des prédateurs sexuels, dès que leur comportement ne convient plus à leur famille d'accueil? Un slogan s'affiche dans les rues de Dakar. Il s'inspire de ce qu'on lit sur nos paquets de cigarettes. La mendicité des enfants nuit gravement à l'avenir du Sénégal. Pourtant, ils sont toujours là, alors que le Sénégal est un pays tolérant sur le plan religieux, un pays qui se modernise et bénéficie d'un taux de croissance que beaucoup de pays européens lui envient. La solidarité dans les familles est immense et permet notamment aux personnes âgées de vivre tranquillement leurs derniers jours au sein de leur famille. Mais cette solidarité n'a pas bénéficié à ses coûts. Un soir, ses coûts n'ont rapporté que 500 francs. Sékou a été battu à mort. Sékou
a été enterré en cachette dans un cimetière de la périphérie de Dakar. Léopold Sédar Senghor disait « Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous le signe. » J'ai nommé les talibés du Sénégal. Désormais, vous savez qui ils sont.